Pour une toute nouvelle vidéo sur Man Eater, donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre par ouvrir une petite grille. Donc c'est parti, écoutez, oh, y a un alligator qui fait me graille en même temps que j'ouvre la grille. Hop, c'est parti, c'est parti. Ok, on y va. Ok, alors, oh, c'est énorme, les gars. Oh, les décors, les graphismes, c'est vraiment magnifique. Là, il y a un poisson chiant, on va le manger. Ok. Oh, c'est super beau les lumières bleues et tout là. Je sais pas ce que c'est mais... Oh, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. On dirait un peu des trucs radioactifs j'ai l'impression. Je sais pas du tout. Mais tout ce que je sais c'est que c'est vraiment super beau. Ok alors. Donc là il y a les poissons chats. On va les laisser tranquille. On va aller plus loin. On va aller au point justement. Au point où ils nous demandent d'aller. Donc c'est parti. Oh là là, ces graphismes, je vous laisse admirer vraiment, c'est magnifique. Ok, donc là, faut être adulte. Ok. Alors, c'est parti. Poisson chat au passage. Hop, what, faut aller derrière là? Comment on fait pour passer? Ouais. Alors, attendez. Peut-être aller sous l'eau. Bah non, je comprends pas comment on peut passer là. Ouais. Alors, il doit avoir une entrée. Je sais pas si on peut sauter par là. Ah si. Ok, bon, c'est bon. Alors, ouais, c'est pollué de ouf ici. C'est quoi ça? C'est un amas de pollution. Ok. Poisson chat, on va prendre. On va prendre. Hop, un petit mérou au passage. Juste là. Mérou, il est no stress. Il se fait graille, il continue sa petite route. Donc là, il y a un petit câble orange qui mène à une grotte. C'est parti, la petite grotte. Magnifique. Waouh, c'est une beauté. Ok, donc là il y a un petit sous-marin justement. Oh, c'est vraiment super beau. Oh, l'alligator il me poursuit depuis tout à l'heure vraiment. What? Enfin il nous attaque pas en tout cas. Du coup on peut les buter hyper facilement. On a juste à spam R2. Super stylé. Alors les gars, on a trouvé le premier, un des premiers use bug, on va dire, de Man Eater. Donc les gars, ce qu'on peut aller faire, c'est justement, alors allez voir justement les petits objectifs. Ouais, mais on peut repartir à la grotte là-bas, voyage rapide, et on peut use bug justement. J'ai vu qu'il y avait un alligator qui était niveau 15, donc c'est assez énorme. Donc on peut essayer de l'attirer là-dedans, de manière à le bugger. Et à le tuer. Donc je pense que si on tue un alligator niveau 15 alors qu'on est niveau 4, je pense que ça peut être ultra cheaté. Alors l'alligator il est où? Il est ok, bon pareil, c'est juste là, il faut qu'on la tire à la grotte. Donc c'est parti, on va sortir de la grotte déjà. Hop, là on peut attirer tous les crocodiles, tous les alligators, tout ce qu'on veut, on peut les attirer dans la grotte. What the fuck? Non mais les gars, je pensais pas trouver un glitch, un use bug comme ça dès le début du jeu. Mais voilà, donc ça va permettre de farmer l'XP comme Jaja. Donc c'est parti. Déjà la première étape, faut qu'on l'attire dans la grotte. What? What, on peut double saut ou quoi? What, on peut double saut? Oh les gars, on peut double saut, regardez. 1, 2. 1, 2. What? 1, 2. Oh, c'est génial. What the fuck, c'est Mario en fait. Je sais pas si dans Mario on peut double saut, mais. C'est un jeu DS quoi. Alligator niveau 8, nous on veut le niveau 15. Alors, on peut essayer de l'attirer dans la grotte en vrai.
Alors, la grotte est juste là. On peut essayer de la tirer. Ça fera de l'XP quand même. Pour voir si vraiment j'ai eu un coup de chance. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe. Faut qu'on aille à la grotte, les potes. Alors, je sais pas où il est. Il a des spawns, je crois. Bon, en tout cas, faudrait essayer d'expérimenter avec ce petit glitch, justement. La grotte, elle est juste là. Ok. Là, il y a un alligator. On va l'attirer, justement. Il est plus proche. Ça pourrait être plus facile. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. On a plus de vie. Allez, vite. Allez, faut essayer de manger un petit poisson chaud au passage. Oh. Il nous a croqué comme jamais, hein. Il nous suit. Ok, il nous suit. What, what? Oh non, il nous a mangé. Oh, on s'est fait manger rat, paraître. Oh non, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, faudra essayer d'expérimenter justement avec ce usebug. Je sais pas du tout comment on a fait pour attirer le crocodile la dernière fois. Enfin, juste avant, du coup. Mais voilà, je suis sûr qu'il y a moyen de se faire full XP avec ce petit bug. Voilà, tout simplement. Ok, donc là normalement on va réapparaître. Je sais pas du tout où on va réapparaître justement, mais on va bien voir. Ok, ça charge. Alors, ça serait bien que ça charge vite quand même. Hop. Ok, c'est bon. On va respawn où? Dans le. Ok. On va se taper dans le lac des chevaux morts et. Et voilà, on va faire les petites quêtes justement qui sont là-bas. Ok. Encore un petit chargement. Les chargements, je crois, ils sont longs. On va voir avec celui-là, mais ils ont l'air un peu longs. C'est un peu dommage. Hop. Après, quand on voit la qualité du jeu, hein, on peut se permettre un petit chargement. Ok, c'est parti. Alors, on va aller à un objectif. Je pense qu'on va prendre lui. C'est parti. Ok, donc. Quoi ça? What? Il y a des squelettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, il y a des squelettes, c'est pas très joyeux. On va aller à l'autre point justement pour voir. En fait, je croyais que c'était des missions genre tuer les poissons à ces endroits et tout. En fait, non, c'est juste des petits panneaux comme ça. Mutant englouti du capitaine Eyeliner. Oh, il y a de l'or. Un petit trésor dessous, attendez. Oh là là. C'est quoi sous cet or? Oh, c'est trop stylé. Dommage qu'on puisse pas le récupérer. Ok, donc. Là, les gars, on va manger de l'humain. Hein. En veux-tu, en voilà. Ok. Plutôt nice. What, c'est quoi ça? C'est quoi, c'est un barracuda? Un méchant barracuda. Hein. Aïe. Aïe. Il va nous graille. Hop. Hop. Hop, hop. Hop.
Ok, bon, c'est bon. On a mangé le barracuda. Oh, c'est bon le barracuda. Ça fait full vie. Ok. Bateau ponton. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh les gars, ça part en raft. Oh les gars, on va le manger. C'est parti. Mangeons-le. What? Oh le jet ski. Moi je vous dis, on va l'attraper. Si j'ai décidé qu'on l'attrapait, on l'attraperait. Ouais, par contre notre aileron il est en feu, c'est normal. Qu'est-ce qu'ils font eux là-bas? What? Hop. Ah, c'est le bateau que j'ai fait couler. Voilà, il y a un bateau de riche là. Hop. On les mange. C'est parti. Festin. Oh, ça fait full. Ça fait full point de vie par contre. Oh, oh non, il y a des. Il y a des chasseurs là. Ok, on va s'en aller. Là, il y a un chalutier. Je crois que c'est ça, un chalutier. Hein. Je suis pas un. C'est bien de tuer la tortue là. Ok. Vas-y, tortue qui est mangée. Ensuite le petit pochon. Le poisson chat. J'arrive plus à parler. Poisson chat. Hop. Ok, donc l'indice de recherche descend. C'est du GTA en fait. C'est du GTA. Hop. Poisson chat. On le graille. Le petit mérou niveau 6 là. Oh là là. Oh là là. Attendez, qu'est-ce que. Bateau flamant rose. Hop, full XP. Ça fait plaisir. What? Bah, il y a un alligator. Quoi? D'où il y a un alligator? On va s'échapper par contre, parce que moi j'ai pas envie de me faire griller par un alligator. Hop, il me poursuit en plus. Ok, donc là il y a une barque. Il est où le l'alligator? Je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Là, je crois que on n'est plus une menace entre guillemets. Ouais. Hop. Mais presque niveau 5, ça va vite. Avec les humains, ça va super vite. Il y a un petit canoë là. Oula. Alors là, eux, moi, je peux vous dire que ça part sur. Sur un petit apéritif. What, c'est quoi ça? C'est. Oh, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Et dites-moi qu'il y a des humains. Ok, on va griller les petits humains là-bas. Hop, juste là. Niveau 5, let's go. Oh, what? Ils ont des mitraillettes? Ils ont des mitraillettes, c'est pas normal. Laissez-moi tranquille. Pédalo. Oh, le pédalo. Je crois qu'on va devoir tuer les chasseurs là parce qu'ils vont, nous saouler sinon. Ah, je vois qu'il y a une cible. Elle est où? C'est quelle personne ça? Ok, faut tuer les chasseurs je pense. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette personne? Bayou Willy. C'est parti, on va tuer Bayou Willy. Let's go. Oh, what? C'est quoi son arme?
Ok, là c'est chaud par contre. Barracuda il est méchant. Tortue, on va la graille. Jet ski, ils sont là. Il est où Bayou Billy? Il est là. Oh, c'est quoi ça? Une petite caisse là? Plaisir. The predatory scavenger is often quite content to dine on whatever wastes fall to the ocean floor. Ok, Winnie il est là. Bayou Billy, on va le grailler. Despite Fort Clovis's best efforts, the aquatic beast refuses to be tamed. Bioélectrique. C'est stylé. Bon, on agrée Bayou Billy, ça c'est pas mal. Enfin, Billy de Bayou. Willy, pardon. Vraiment, j'écorche son prénom. Ok, là il y a un barracuda qu'on doit tuer. Ok, bon, on va aller se réfugier sous l'eau un petit peu. Et on va aller fight un poisson. Et par contre, là c'est abusé, hein. Il y a eu 28 personnes contre nous. Je pense qu'on va aller se cacher. Hop, petite esquive. On va aller se cacher et on va attendre qu'on soit disparu. Hein. Enfin, pour qu'on soit disparu à leurs yeux. Hop. Ok, il y a un petit poisson chat, on va le manger. Et là, normalement, attendez, j'ai cru comprendre un truc, c'est qu'on a débloqué une nouvelle capacité. Mâchoire dent bioélectrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Trouver la grotte. Ok. On va stepper à la grotte. Hop. Ok, maintenant on peut stepper normalement. Voyage rapide. Et bah, c'est parti. Hein. En tout cas, ça fait plaisir de jouer à Maniqueur. Ça fait longtemps que je l'attendais personnellement. Et c'est vraiment stylé. Alors. What? C'est n'importe quoi. Notre requin, je sais pas quoi il va ressembler à la fin, mais je pense que ça va être plutôt n'importe quoi, hein, pour pas se mentir. Ouais, mais ça fait un bruit mécanique presque. Attendez. Ouais, mais ça fait un truc électrique, c'est trop stylé. Petit requin électrique là. Alors attendez, je vois un point rouge, donc c'est lui. Barracuda. J'ai envie de me fight avec un barracuda pour voir. Pourquoi il revient pas? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une fusée? Il est où? Il est là. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retrouver l'autre barracuda qui est situé juste là, ouais. Et on va aller le graille, quoi, tout simplement. On va faire un petit repas avec ce petit barracuda. Oula, qu'est-ce que je fais? Hop, c'est parti. C'est vraiment stylé en tout cas, regardez. Alors on va faire un petit, voilà, un petit aller à la surface. Hop. Comme ça on voit bien le paysage qui est vraiment magnifique. Regardez-moi cette ville magnifique. Regardez-moi tous ces décors magnifiques. Ouais, c'est vraiment vraiment super en tout cas. Hop, il est où moi mon ennemi? Barracuda chassé, il est juste là. What? What, what? En tout cas, ça fait beaucoup plus de dégâts, j'ai l'impression. What? C'est des fusées? Ok. Mais en fait, on prend pas si cher que ça.
On mange. Là on est plutôt bien, on va pas se mentir. On va tout manger pour avoir un maximum de petits. Je sais pas ce que c'est des brins d'ADN on dirait, je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Ok, alors, nouvel objectif là-bas, Joe la secousse. C'est parti. Joe la secousse. Alors, il est par là-bas. Alors, on va passer à la surface pour aller plus vite. Oh, la ville dans la nuit, c'est encore mieux. Oh shit. Trop stylé. Les petites voitures en haut. Oh, il y a la police. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Ok. Alors, est-ce que là, il y a des humains? Non. Est-ce que si on graille un jet ski, je sais pas si ça va nous... Bon, non, c'est un peu long. Ok, c'est parti. On va nager. Alors, est-ce qu'on peut couler ce bateau? Moi, ça m'intéresse. Je pense qu'on gagne pas mal d'XP en vrai si on coule ce gros bateau. Je pense vraiment que... Ouais, là, on commence à le faire fumer. Oh ouais, là, il brûle, hein. Oh, il a plus de vie. Oh là là. Bon, on a fait couler un bateau. Hop. Bon, mais les gars, hein. Hop. Un bateau qui a coulé grâce à nous. Hop là. Oh, attendez, on est... Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est trop stylé. C'est nous qui l'avons fait. Ouais. Ah, mais attendez, mais on peut continuer de le casser. On peut le faire disparaître, carrément, je pense. Je sais pas ce que ça fait si on continue, justement. Mais vraiment, j'aimerais bien voir. Je pense pas qu'on peut aller plus loin. Ouais, je sais pas. Bon, on va aller à l'objectif parce que là on s'égare un peu. Ok, c'est parti. C'est parti. Humain. On s'est fait un petit festin au passage. C'est parti. Ok, là il y a un petit poisson. Ouais, attendez, j'ai entendu quelqu'un parler. Il y a vraiment des gens là. Des humains là. Allons sur le bateau. On va le faire couler. Oh mais c'est parfait ça, il se jette à l'eau pour nous. Bonsoir. Là-bas, je sais pas ce qu'il y a, mais je crois que c'est là qu'il faut qu'on aille. Ouais. Dévorer 10 humains. C'est parti. Ok, donc là j'ai l'impression qu'il y a un festival ou je sais pas quoi. Ok, barracuda là on va le manger, hein, il est tout petit pour nous. What? Est-ce que ça compte les chasseurs? Ça compte pas, faut vraiment tuer des humains random, genre qui se baladent. Ok, on va passer par là. Voilà, asphyxie, on va vite repartir dans l'eau. Ok, alors là, il y a plein d'humains. Comment on fait pour monter en haut, là? C'est pas possible. C'est strictement impossible. Oh, il y a un humain, là, il se dirige vers là. Oh, c'est impossible, attendez. Comment on va faire? On va monter au pire. Alors attendez, on voit il y a des chasseurs, je sais pas ce qu'ils font là. Chasseurs, on les mange tous, ça fait plaisir.
Bon, les humains. Retour à nos humains. Revenons à nos moutons. Hop. Mais attends, comment je suis monté il y a 2 secondes? Attends, mais what the fuck? C'est possible. Je comprends vraiment pas comment on peut faire pour les manger justement. Alors attendez, c'est quoi ça? Pourquoi du fluo là? C'est des lampes. Ok. C'est parti. Alors, on va faire le tour, hein. C'est pas grave. Je vois qu'il y a des humains qui sont revenus. C'est impossible. Mais comment? Le requin, il est vraiment stylé, regardez. Hop. Là, il y a un petit barracuda. Bon, mais il est graille. Oh, il y a des gens sur la plage là. C'est un humain ça, c'est un poisson. Ok. Lui, on va le manger. Ok, 5 sur 10. Ok. Pourquoi il crie? Non mais c'est abusé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Alors là les gars, Sharknado, c'est parti. Oh, il y a un petit humain là. Bon, c'est pas grave, on va retourner au niveau de la plage. Ok, c'est parti. Ok, on mange un dernier. Hop, on la tire dans l'eau. Ok, c'est bon. Oh là là, c'était long. Mais au moins, on a fini cette quête. Ça, c'est pas mal. Afficher la quête. Déchets radioactifs. C'est parti. Tuer 10 mérous. C'est parti, on tue 10 mérous. C'est quoi ça? Des motos flottantes. C'est trop stylé. En tout cas, je le dis beaucoup de fois, mais vraiment, j'insiste sur ce point. Je trouve vraiment ce jeu vraiment super super beau. Regardez-moi ça. Vraiment magnifique. Là-bas. Par contre, je sais pas comment on peut faire pour atteindre certains trucs. Genre ça, c'est trop haut. Je sais pas du tout. On doit pouvoir débloquer certaines améliorations qui nous permettent justement de sauter aussi haut. Genre, je sais pas, des jetpacks ou quoi, non je pense pas, mais ouais, des améliorations pour nous permettre de sauter plus haut. Ok, donc les mérous, ils ont l'air d'être assez loin. Je sais pas par contre pourquoi la quête s'appelle danger radioactif ou un truc comme ça. Là il y a un masquinogé, on va le graille. Hop, hop. Voilà, c'est parti. Ok, donc là faut repasser par-dessus la clôture je crois. Je sais pas du tout comment on peut faire pour passer. Peut-être par ici. Hop. La quête est juste là-bas. Derrière les poteaux. Non, c'est pas des poteaux, c'est quoi? Mais attendez, mais c'est quoi ce délire là? La ville elle est sous l'eau. C'est n'importe quoi. Je sais pas s'il y a eu un tsunami ou quoi, mais. Oh là-bas, il y a une usine nucléaire. Une centrale plutôt. Une centrale nucléaire. Ça peut-être que le défi s'appelle déchets nucléaires ou je sais plus exactement comment il s'appelait, mais c'est vraiment stylé. Ok, moi je sais pas où on va là, c'est nul ici, pourquoi on est allé là? Ouais, des alligators par contre, ça va pas le faire.
Mais quoi, mais ils sont sous la terre? Vite, vite. On va perdre full vie, mais c'est pas grave. Ok. Immersion. Alors attendez, ils sont sous la terre. Comment est-ce possible? Je sais pas. Peut-être par là. Non. Poisson chat. what? Ok. Petit poisson chat, on va le manger pour récupérer un maximum de vie. Ok. Alors, les mérous. Retour à nos mérous, du coup. What the fuck? Ah, c'est par là. Faut casser une grille. Mince. Ok. C'est parti. Ah oui, parce que c'est genre dans un truc de rejet radioactif, j'ai l'impression. Par contre, c'est un alligator, là, il me poursuit. Ça va pas le faire. Il y a combien d'alligators ici? Ouais, mais attendez, mais il y a de plus en plus d'alligators, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est une impression ou c'est vraiment... Il y a 100 000 alligators, là, mais... Il y en a un là, il y en a un autre là. Ok, on va repartir là-dedans. Ok, c'est bon, il y a un petit mérou là et on a fini la quête. Terminé. Attends, j'ai bien envie d'aller voir en bas là. Ah, c'est stylé. What? Je sais pas où c'est qu'on va là, mais... on se perd dans les labyrinthes que sont les égouts. Ok, petit poisson chat au passage. Par où faut s'échapper? Je suis perdu. J'aurais jamais dû faire ça en fait, parce que là vous allez voir que je vais rester paumé dans des égouts pendant gavé longtemps. What? Mais je vais où là? Ah, il y a une caisse. En fait, j'ai bien fait d'aller là. Une petite caisse, juste là. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, il y a un truc à casser, là. Attendez, il y a une caisse derrière, c'est quoi? Je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, là, on s'est bien perdu, en tout cas. C'est super. Ah non, on peut sortir par là. What? On est où, là? What the fuck? Ok, alors là j'ai vu du coup qu'il y avait un petit truc à récolter. Héritage des chevaux morts. Alors récupérer toutes les plaques d'immatriculation. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est stylé. Je sais pas à quoi ça sert surtout, parce que du coup je sais que c'est des plaques d'immatriculation. Bon les potes, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui sur cette petite fin assez stylée quoi, dans les égouts là. C'était vraiment stylé, les égouts radioactifs. Du coup, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas votre petit pouce bleu, votre petit like et pourquoi pas un petit commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Mettez le hashtag requin dans les commentaires. Ça me ferait vraiment super plaisir, les potes.